Bienvenue au circuit 5 des 5 jours d'entraînement rapide. Rappelez-vous de faire vos exercices dos à dos sans repos. Si à la fin du circuit vous avez le temps et l'énergie, prenez une minute de repos et répétez le cycle. Allons-y. Un petit rappel, si le nombre de répétitions proposées est trop grand pour vous, il n'y a aucun problème à ce que vous fassiez moins de répétitions en attendant votre évolution et votre renforcement avec le temps. S'il y a une certaine douleur qui apparaît, arrêtez. Il ne faut jamais s'entraîner quand on a mal, il faut apprendre à respecter et à écouter son corps. On commence avec deux exercices alternés pour les abducteurs de la hanche et les muscles adducteurs qui raffermissent l'intérieur des cuisses. Pour ce faire, on va s'installer sur le côté, la jambe du haut tendue, la jambe du bas pliée, la jambe du haut dans le prolongement du corps et on soulève. 2. 3, 4, 5. On s'assure que la jambe est dans le prolongement du corps. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On change de position, on tend la jambe du bas, genou tendu, la jambe du haut peut être soit au sol, soit pliée. Et on soulève la jambe du bas en un seul bloc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On respire toujours. 8, 9, 10. Genou toujours tendu. 11, 12, 13, 14 et 15. On va se retourner maintenant pour entraîner l'autre bord. Comme pour le début, on s'installe sur le côté, la jambe du bas pliée, la jambe du haut tendue dans le prolongement du corps, le genou bien tendu et on soulève. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on garde la respiration. 7, le genou bien tendu. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et 15. On change la position des jambes, la jambe du bas tendue, genou tendu. On plie les jambes du haut selon notre confort, la jambe du bas dans le prolongement de notre corps et on soulève. 1, 2, 3, on respire. 4, 5, genou tendu. 6, 7, 8, on respire. 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On va passer au push-up cobra. On s'installe sur le ventre, on se dépose comme il faut, on met les mains dans une position plus large que les épaules et on s'assure de garder tout le corps relax à partir de la taille et vers le bas. En ayant les mains sur le sol, on presse vers le haut et on redescend. 2. 3. On prend notre temps. 4. C'est normal que le dos coince au début. 5. 6. N'ayez pas peur d'une petite tension. 7. 8. 9. 10. On respire toujours. 11. 12. 13. 14. Et toujours en contrôlant le mouvement. 15. Là, on va se retourner sur le dos pour effectuer des relevés de fessiers au sol pour entraîner nos fessiers. Pour ce faire, on s'installe sur le dos, les jambes pliées, les pieds proches des fessiers. On va s'assurer qu'on va serrer les fesses l'une contre l'autre en enroulant le bassin et en remontant. 3, 4, 5, ressentez l'enroulement du bassin. 6, on serre les fesses l'une sur l'autre. 7, 8, 9, on garde la respiration. 10, 11, 12, 13, 14, 15, on touche et on remonte, 16, 17, 18, 19, 20, on garde la respiration, 21, contrôle des fessiers, 22, 23, 24 et 25. Nous voici à la fin d'un cycle de 5 jours d'entraînement en circuit, rapide, facile et efficace. Comme pour les jours précédents,
Si à la fin de ce circuit, vous avez toujours le temps ou l'énergie, prenez une minute de repos et répétez le circuit pour 2 ou 3 sets additionnels. Rappelez-vous de bien manger, de bien vous hydrater, de bien dormir et surtout, restez fort.